Santiago, Alex Vizorek a un questionnaire de Parjepie Proust pour vous. Spécial Amérique du Sud. Vous êtes né en Argentine, vous avez vécu en Uruguay, vous vous appelez Santiago. Sur l'échelle de 0 à 10 de l'Amérique latine dans les tripes, 10 étant Che Guevara, 0 étant Donald Trump, vous vous situez à combien? Vous pouvez répéter la question? Entre 0 et 10, Florent Pagny doit être à 2. D'accord, non, oui, à 10,5. Hein. À 10,5, carrément. En tant qu'argentino-uruguayen, vous auriez 4 étoiles de champion du monde de football sur votre maillot. Est-ce que vous savez combien je peux en mettre, moi, qui suis belgo-polonais? Ouais, j'ai de la peine pour vous. C'est la bonne réponse. À votre avis, qui est le meilleur, Maradona ou Messi? Je suis triste, mais Messi. Qui sont les meilleurs, Boca Juniors ou River Plate? Boca Juniors. C'est le derby de Buenos Aires. Ah. À votre avis, qui est le meilleur, José Luis Borges ou Paulo Coelho? Oui, il y a des questions plus faciles que l'autre, mais après, voilà. Non, mais il faut trouver des mauvais Argentins, comme ça je peux avoir l'air un peu moins patriote. Je ne connaissais pas assez. Quel est le meilleur, Bolsonaro ou Trump? Pareil. Ex aequo. Avec quel dictateur sud-américain décédé aimeriez-vous quand même parler une heure si vous pouviez? Si j'ai le droit de le frapper pendant que je parle, il y en a beaucoup. Et si c'est pour parler? Pour parler seulement, je sais pas, Stroessner, parce qu'il est resté trop longtemps au pouvoir peut-être. Chez vous, t'es en Argentine? Non, en Paraguay. Ah pardon, comme je ne savais pas, j'ai tenté. Sur Wikipédia, vous êtes réalisateur, scénariste, producteur et écrivain. Si vous ne deviez faire qu'un seul de ces 4 métiers, ce serait lequel? Sortir de Wikipédia. Et la dernière, si vous pouviez revivre un moment de votre vie, ce serait lequel? Ce serait demain, je ne sais pas. Et le prochain roman, donc, à écrire. Santiago Amigorena, merci beaucoup d'avoir passé cette heure en notre compagnie.